une expérience est dangereuse, elle m'intéresse encore plus. Oh, bonjour, Hunter. Docteur Strange est fascinant. Ses pouvoirs sont incroyablement puissants. Content de vous avoir parmi nous. Ça va te plaire. Est-ce que tu m'as trouvé, chef? Oh, ça fait quoi vous couper. Parfois, je m'impressionne moi-même. En quoi le sorcier suprême peut-il vous aider? J'ai déjà croisé cet artefact par le passé. Ça ne s'est pas très bien fini. C'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que tu fais, Charlie ? Qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui? Même les plus petites améliorations peuvent offrir de grands avantages. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça fera l'affaire. Au revoir, Hunter. Ça devrait être utile. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres. Toute la paperasse.
Ça m'a tapé dans l'œil à moi aussi. Je reste convaincu qu'on aurait dû commencer par construire un champ de tir. N'oublie pas que c'est toi qui l'as voulu. Tu n'aurais aucun mal à chasser les vampires. T'en veux encore ? On me demande pas toujours mon avis, mais je le donne quand même. On doit mettre toutes les chances de notre côté. J'essaie de rester aussi affûté que possible. Ça fait du bien de prendre un peu l'air. Pas de toile d'araignée ni de fantôme ici. Pas le temps de traîner, Hunter. Je cherche toujours à m'améliorer. Ouais, c'est sans doute pas une décision facile. À plus. Laissez-nous vous aider.
Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Bien, alors, tu t'y connais en métallurgie ? Tu devrais peut-être enfiler ton costume. C'est pas mal, non ? Et tu crois que je l'ai eu comment, le costume, Doc ? Par le biais d'un procédé. À plus tard, Hunter. Il est temps de passer au niveau supérieur. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je me sens plus vigoureux. Très bien. Allons-y. On n'a rien sans rien. Tu t'es jamais demandé si ces oiseaux étaient coincés ici, dans la bulle de l'abbaye ? C'est assez flippant quand on y réfléchit.
plus rien ne peut m'arrêter. Prends ton temps. Je vais méditer un peu en attendant. Fais ce que tu veux. C'est une question simple. Je sais pas. Peut-être. Comment ça? Tu as peut-être aperçu un appareil gamma unique en son genre dans ce mystérieux labo? C'est possible. On avait autre chose à faire. Ouais, sauver notre amie. Celle que vous avez tous abandonnée. Non, celle qu'on essaie tous de sauver avec le reste de notre belle planète. L'accélérateur de bonheur. Comment tu peux savoir ça? Tu as vu ta première ampoule il y a quelques semaines. Ok, on en a terminé. Et si je vous disais que, théoriquement, nous pourrions utiliser l'accélérateur pour détruire le parchemin de pouvoir? Je répondrais que, théoriquement, sans ce fameux parchemin de pouvoir... La prophétie ne pourra pas s'accomplir. Mais c'est impossible. Je suis d'accord. Dixit, un sorcier avec une cape qui parle, une légende ressuscitée, une sorcière de sang et une reine des limbes. C'est moi le plus barbant, ici. J'ai peut-être un moyen de nous ramener dans ce complexe. Tu m'en as jamais parlé? Mon épée garde en mémoire tous les portails que j'ai ouverts, mais... il vaut mieux que je vous montre. Chaque fois que j'essaie de l'atteindre, quelque chose me repousse. C'est comme un mur. Mur? On dirait plutôt... le mal. Une barrière d'énergie démonique. Je n'en avais jamais vu de pareil. Bruce, quoi qu'on fasse, il a toujours un coup d'avance sur nous. Quand je pense qu'avant, c'était lui le plus barbant... Il y a un moyen de traverser. Il nous suffit de le trouver. Allez expliquer ça à Tati Caretaker. Elle vient de me passer un savon pour vous avoir mis en danger. Occupez-vous de cette barrière. Je me charge de ça. J'ai quelque chose pour toi. Oh ! Une figurine de Moon Knight ! Des composants pour l'atelier. Ok, ça revient un peu au même, j'imagine. Envie de combattre le crime ? Je reste là si vous avez besoin de moi. Bonjour, Hunter.
Les hommes d'Hydra sont en train de semer la pagaille. Débarrassons-nous d'eux. Je peux m'en occuper. Je les intéresse toujours autant. Jusqu'ici, tout roule. Je crois que mes forces ont augmenté d'au moins 4%. Faut que je calcule. Finissons-en. Ça ne va pas leur plaire. J'ai déjà vu ce genre de technique, il y a des siècles.
se passe comme prévu. Pas moyen de se cacher. À vos ordres. Va être la même limonade. J'ai l'habitude d'être en infériorité numérique. Vous avez encore le temps. Réduisez-la en pièces. J'avais justement besoin d'un petit coup de pouce. J'y vais. Vous avez encore le temps de vous en sortir. Cible confirmée.
faible, même pour un agent d'Hydra. Je sais que c'était pas votre boîte secrète. On n'en a pas encore fini. Je suis toujours leur cible. Pour le moment, tout se passe comme prévu. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Éliminez-en le plus possible. Ned qui tombe à pic. Ça vous serve de leçon. Débourse assez pour couvrir vos frais d'hospitalisation. Allons-y, partenaire.
J'avais totalement confiance. On a réussi. Beau travail. Oh mon dieu, Robbie, pourquoi est-ce que t'es si impatient de rencontrer Blaze? Apparemment, ce mec est un abruti fini. Oh, doucement! C'est l'esprit de la vengeance originale. Et en plus, c'est mon idole. C'est presque aussi nul que d'avoir Hank Pym comme icône. C'est qui? Un mec ringard et ennuyant à mourir, tout comme ton copain Blaze. Blaze est pas ringard. D'accord, Robbie, fais la groupie si tu veux. Va lui demander un autographe, c'est plus mon problème. Mais viens pas me dire que je t'avais pas prévenu. Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier la médecine ? Je sais ce que c'est d'être rongé par la maladie. Je voulais aider les autres à ne pas subir le même sort que moi. J'admire votre compassion. Pour être honnête, ce n'était pas totalement désintéressé. J'ai appris la biologie dans l'espoir de me soigner. Je pense que vous êtes quelqu'un de bien. Je te remercie, mais je n'ai pas toujours été l'homme que tu as devant toi. Je n'ai pas besoin de connaître votre passé pour comprendre votre valeur. C'est très aimable de ta part. Tu pourrais en discuter avec Blade. Il n'a pas l'air d'être sur la même longueur d'onde. Thank you.
Tu n'imagines pas combien c'est difficile d'en trouver. On commence vraiment bien à se connaître. Et si tout ceci n'était qu'une grande simulation? Je vais me préparer une boisson protéinée. Quelqu'un en veut? Salut, salut! Hola! Avec un crâne en feu sur une moto, ça ne passe pas inaperçu. J'ai tout un tas de satellites en orbite qui peuvent nous aider à le localiser. Blaze n'est pas un type ordinaire. S'il ne veut pas qu'on le retrouve, je doute qu'on y arrive. Ok, docteur Optimisme. Si t'es si fort que ça, fais-le apparaître d'un coup de baguette magique. Même si Tony lançait suffisamment de satellites pour voiler le ciel, je ne crois pas que cela suffirait à mettre la main sur Blaze. En attendant, le meilleur soutien dont nous pouvions rêver nous a été offert par ce mystérieux démon, scellé dans les flammes jusqu'à la fin des temps. Les démons sont de nature maligne, mais celui-ci semble disposé à nous aider, et je suis enclin à le croire. Le fait qu'un démon propose de nous aider à atteindre nos objectifs prouve encore une fois qu'il n'y a pas de camp. Le bien et le mal ne signifient plus rien en la présence d'Octon. Hélas, je crains que vous n'ayez raison. Alors, Robbie... nous permettra très certainement de trouver Blaze. Mais par quelle méthode? Je crois que Tony et moi avons du grain à moudre. Avec Tony, nous devons nous mettre au travail. On devrait bientôt pouvoir vous révéler notre projet. Gloire aux héros victorieux! Que quelqu'un nous apporte des Star Drive.
Ça fait du bien. J'en avais besoin. Il nous faut un nouveau mannequin d'entraînement. Vous avez brisé la carrière de celui-ci. Désolé d'avoir cassé le matériel. Je suis toujours à fond quand je m'entraîne la nuit. Bienvenue au club. On est des oiseaux de nuit jusqu'à la moelle. Pour moi, c'est l'occasion de me lâcher un peu, de pouvoir être moi-même sans craindre d'être jugé. Moi, je sais même plus ce que c'est d'être moi-même, mon pote. Les bouchers d'armes X ont passé mon cerveau au mixeur. En effaçant l'homme, ils pensaient déchaîner la bête. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, et même un peu plus. Depuis, Charles essaie de m'aider à recoller les morceaux. Et je suis même pas sûr d'avoir envie de retrouver la mémoire. Un vampire a mordu ma mère pendant qu'elle accouchait. Et à ce moment-là, son visage est resté gravé dans ma mémoire. Je l'ai revu bien des années plus tard, au moment de l'achever. On ferait mieux de commander d'autres mannequins d'entraînement. Cette nuit est des plus sombres. Pourquoi ? Il y a un danger qui m'échappe ? Il se tient juste devant toi. Lilith met ma volonté à rude épreuve, Hunter. Son pouvoir s'accroît et le mien avec. Pour être honnête, cette puissance n'est pas pour me déplaire. Loin de là. Mais tu l'as sûrement senti, toi aussi. Non, je ne vois pas du tout. Désolé. Non, je t'en prie, Hunter. On en a déjà parlé. Je sais que je suis pas le seul à lutter contre mes propres démons. Je fais de mon mieux pour résister à la bête sanguinaire qui est en moi. Mais chaque nuit, c'est de plus en plus dur. Et pour être honnête, ça me met en rogne. Tu sais que je déteste perdre le contrôle. Faut-il que je pente de l'ail au-dessus de mon lit ? Que je garde un pieu sur mon chevet ? Je rirais bien, mais c'est pas mon style. Et embrocher un ami n'est pas le mien, alors prends soin de toi, d'accord ? J'y travaille. Tu sais, parfois, tout ce qu'il faut, c'est une bonne nuit de sommeil. Ça m'aide toujours à prendre du recul. Qu'elle soit bonne ou pas, je dors pas vraiment. C'est pas mon truc. Je serai debout jusqu'à pas d'heure ce soir. Si t'as rien à faire, on peut s'asseoir un peu. Ça me ferait plaisir de discuter. J'ai besoin de compagnie. Et tu veux qu'on parle de quoi ? De ce que tu voudras. Tu t'interroges sur les déchus. Tu crois qu'on peut les faire revenir à eux ? Qui sait ? Ils ont une apparence horrible. J'imagine qu'ils le sont tout autant à l'intérieur. Mais j'ai pas envie de voir Wanda comme ça. Alors je préfère pas y penser du tout. Les ténèbres de Lilith sont profondes. Elles nous corrompent jusqu'à la moelle. Et comme je viens de te le dire, je préfère penser à autre chose. Tu crois que les Suns arriveront à former une véritable équipe ? La clé d'une bonne équipe, c'est un bon chef. Ça pourrait être toi, ou peut-être pas. Ça me fait plaisir de vous voir vous entraîner ensemble, toi et Logan. Logan est un bon partenaire. Il retient pas ses coups. J'aimerais pouvoir me montrer aussi désinvolte. Mais j'aurais peur de me ramollir. Logan est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Oh, je sais qu'il a son côté sombre, mais il l'assume mieux. En parlant de Lilith, y a-t-il quoi que ce soit qu'elle pourrait retourner contre toi ? Quoi, pour me manipuler ? Lilith cherche nos faiblesses pour nous corrompre. J'ai besoin de connaître les tiennes. J'ai connu une femme, Gloriana. On parcourait le monde ensemble. On tuait des vampires. On faisait l'amour.
C'était le bon vieux temps. Un jour à Londres, on a appris qu'un seigneur vampire était dans la nature. Avec mon ego démesuré, je me suis dit que ce serait vite réglé. Mais j'avais tort. J'ai failli y rester. Et à cause de mon erreur, le vampire a eu le loisir de transformer Glory en l'un des siens. La femme que j'aimais est devenue ce que je hais. Je te fais grâce des détails. Je comprends. Je vois ce que tu ressens. Passer de l'amour à la haine, j'ai connu ça aussi. Ce serait le moment de t'entraîner avec Carole. Qu'est-ce qui te retient ? Le gars est là. Oui, mais je veux dire, si tu as des sentiments pour elle, tu devrais... Le gars est là, je te dis. Ah, d'accord. Je comprends. La nuit est de plus en plus sombre et je commence à fatiguer. Alors, dors ? Tu ne retournes pas dans ton cercueil ? On va devoir se lever tôt demain. Ton obsession pour les cercueils me dépasse un peu. Si t'as rien à faire, on peut s'asseoir un peu. Ça me ferait plaisir de discuter. J'ai besoin de compagnie. Et tu veux qu'on parle de quoi ? De ce que tu voudras. La nuit est de plus en plus sombre et je commence à fatiguer. Alors, dors ? Tu ne retournes pas dans ton cercueil ? On va devoir se lever tôt demain. Ton obsession pour les cercueils me dépasse un peu. J'ai pas beaucoup de conversations. Je cause plutôt avec mes poings. Hunter. Ah, salut. Je n'ai pas l'habitude de croiser un vampire dans une chapelle. Même Blade vient rarement ici. La plupart des vampires préféreraient mourir plutôt que de pénétrer dans un lieu sacré. Vous voulez dire mourir une deuxième fois ? Oui. Enfin bref, je ne suis pas comme les autres vampires. Parce que vous êtes un vampire vivant ? En partie, oui. Comme je dois mes pouvoirs à la science, je n'ai pas les mêmes faiblesses qu'eux. Mais nos différences sont plus profondes que ça. Que voulez-vous dire ? Déjà, je n'ai que faire de leurs traditions stupides. La plupart des vampires sont des crétins superstitieux. Ils crachent à la vue d'une croix et tressaillent au contact de l'eau. De manière générale, je ne crois pas à la magie noire. La plupart des événements paranormaux ont une explication scientifique. Nico maîtrise la magie du sang. Iliana a été élevée par des démons. Et vous vous trouvez actuellement dans une poche dimensionnelle. Tu me prends pour un fou. Je pense que tu as mal compris mon propos. Une technologie avancée peut ressembler à de la magie aux yeux de ceux qui ne la comprennent pas. Très bien, expliquez-moi. Selon moi, l'univers est régi par certaines règles fondamentales comme la gravité ou la fusion nucléaire. La science et la magie ne sont que deux façons d'exploiter et manipuler ces règles. Donc, je ne dis pas que le monde paranormal n'existe pas. Je pense juste que les gens y accordent trop de crédit. Au fond, la science est plus puissante qu'un sortilège. Nos ennemis sont nombreux et extrêmement puissants.
Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition. Ah, je comprends mieux la présence de Blade ici. Il est complètement marteau. Pitié, ne lui répète pas que j'ai dit ça. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'était une blague. J'adore Blade. Ah, donc vous ne voulez pas que Blade sache que vous avez beaucoup d'estime pour lui? Oui, exactement. Entre ma langue et moi, ça coule de source. Tu l'as ? C'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres. Toute la paperasse. Pour ma prochaine mission, je veux partir en mer. Il n'y a aucune règle là-bas. Ça va te plaire. Tu sais que je m'en sortirais tout aussi bien si tu ne traînais pas toujours dans mes pattes. Et comment pourrais-je m'emparer de tes secrets si je ne t'observais pas? T'emparer de mes secrets? Toi? Ton armure rit à cette idée. Oh, attends une minute. C'est pas vrai. Tu viens tout de même pas de faire un jeu de mots. J'espère que je ne l'ai pas froissé. Deux fois? Oh, c'est un grand jour pour toi. Je suis si fier d'avoir assisté à ça. Ravi que ça t'amuse. Commence enfin à avoir du bon matos. Bienvenue dans la grotte démoniaque de Tony. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Je vais faire relever le défi. Parfois, je m'impressionne moi-même. Plus. Vous avez trouvé de quoi nous occuper? Bon, voilà le plan. Je vais frapper ce truc avec mon grand marteau et tu vas... Laissez-nous vous aider. Ce n'est pas une pierre d'infinité, mais ça fera l'affaire. Je suppose qu'il faut savoir se contenter de ce que l'on a, super-héros ou non. Simple mais efficace. Si tu trouves des noyaux gamma, envoie-les-moi.
Hey, je peux te demander un service ? Merci, Hunter. J'aimais déjà ces couleurs avant qu'elles soient à la mode. Salut, Hunter! Dis donc, j'ai entendu dire que tu partais pour une mission super importante. Super, merci, Hunter. Regardez qui voilà. Nous sommes crevés. Un petit entraînement ? Hydra ne viendra plus me chercher des noises. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a toujours des choses à améliorer. Je crois qu'il y en a pour tout. On n'a rien sans rien. Je me sens d'attaque. Exactement ce dont j'avais besoin. Salut. Quelqu'un peut me dire ce qu'on fait ici, hein? On a un plan, Robbie. On a besoin que tu portes quelque chose. Que je porte quoi? On va y venir. Tu es la pièce maîtresse. Comment ça, la pièce maîtresse? Détends-toi, gamin. Tu vas adorer. C'est toi qui vas invoquer Johnny Blaze pour nous. Maîtresse, comme tu veux. J'ai hâte de voir si ça marche vraiment. Je suis sûr que Robbie va s'en sortir. Commençons. Comment je suis censé invoquer Johnny Blaze ?
Je fais pas d'invocation, moi. C'est pas mon truc. Quelles sont les dernières infos? Allez, Centrale. À toi de jouer. Hydra pointe le bout de son vilain nez. Qui envoyons-nous en opération? Ce n'est pas toujours facile d'envoyer ses amis au combat, mais on savait tous dans quoi on s'engageait. C'était fait. À bientôt. Tu veux une boisson protéinée? C'est recommandé après le sport. Hunter, t'as entendu ça? Ouais, j'étais là aussi. Sois honnête alors, est-ce que je suis vraiment le mieux placé pour invoquer Johnny Blaze? Tu te demandes toujours si tu as ta place au sein de l'équipe, Robby. C'est l'occasion de nous montrer qu'on peut compter sur toi. Oh, j'espérais qu'on me laisserait le temps de me préparer quand je devrais faire mes preuves. Tu avais d'autres questions? Ouais, mais on n'a pas toute la semaine pour en parler. Donc, allons-y. Juste dis-moi ce que je dois faire.
Les invocatrices d'Hydra tentent d'ouvrir un portail. Il faut les arrêter. Qui sait ce qui va en sortir? Ils persistent dans leurs intentions. On aimerait bien en avoir un peu, nous aussi. Ça, c'était terrible. Regardez. Impressionnant. J'espère qu'il vous plaît. Ned qui tombe à pic. Tout le monde est prêt. Quelqu'un a commandé. Invocatrices semblent déterminées à accomplir leur rituel. Elles appellent quelque chose. La charge de revanche. Les forces.
aucun ennemi ne peut égaler une force pareille. Sera d'une grande aide. J'y vais. En charge. Une invocatrice de moi. Elle invoque quelque chose. Arrêtez-les. Attention. Midnight Suns. Rassemblement. Cible confirmée. J'ai déjà vu ce genre de technique. Il y a des siècles. J'espère que vous avez retenu la leçon. Ah, ça fait du bien. Compris.
ouvrez-moi. Cette invocatrice ne participera plus au rituel. On y est presque. À l'attaque. Vous ne trouvez pas que j'ai changé ? Dépêchez-vous. Il faut à tout prix interrompre le rituel. Vous n'auriez même pas tenu 5 minutes au camp Liaï. Un effort inutile. Je sentais que vous aviez besoin de faire une pause. Ça va laisser des traces. De préparation. Dépêchez-vous. Il faut à tout prix interrompre le rituel.
Heil Hydra. Ah ouais. Vous avez eu une chance de vous enfuir. Il fut un temps où Lilith exigeait le meilleur de ses sous-fifres. Apparemment, ce temps est révolu. Vous trouverez peut-être enfin la paix. Vous l'avez bien cherché. Impressionnant. Ça, c'était terrible. La lumière est de notre côté. Voilà, partenaire. D'aucune aide dans cet état. Passe à l'action. Aucun ennemi ne peut égaler une force pareille. D'être de votre côté. Marchez dans la lumière. Ça devrait s'être. Ils ne s'attendent sûrement pas à ça.
Immortalis, je suis le courroux. C'est tout ce que vous avez ? Ces enfants seront bientôt parmi nous. Bon, qui se lance en premier? Quelqu'un a commencé un match de phalange? Ils veulent pas me lâcher! Inutile de vous soumettre! C'est vous qui l'avez vu. À l'attaque. J'ai déjà vu ce genre de technique. Il y a des siècles. Et nous n'avons même pas eu le temps de nous entraîner. Jamais à son service. Il n'y a pas de chance. Tout se passe comme prévu. Compris. Ça ne va pas leur plaire. Charge. Ça fait du bien. J'espère qu'ils sont prêts. Notre détermination est à toute épreuve. Les éléments s'inclinent devant moi. Il s'agenouille.
ne devrait pas durer très longtemps. Vous n'étiez pas de taille pour ce combat. Je vais vous montrer la véritable étendue de mes pouvoirs. Ça, c'était terrible. Votre mère vous abandonne. Vous avez réussi. C'est l'heure du club de lecture. Tu viens ? On se retrouve là-bas. On y va. Chaque fois que je me plonge dans ce livre, j'entends la voix du colonel. Ouais ? Bienvenue au club de lecture. Ouais, merci. Je savais pas que Steve connaissait l'auteur. J'aurais dû le lire la première fois qu'il en a parlé. Tu n'as pas mis le feu à quelque chose aujourd'hui, j'espère. Tu devrais inviter Logan, si ce n'est pas déjà fait. Hunter, c'est bon ? Je suis prêt. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Logan au sein du club de lecture. Qu'est-ce que vous avez pensé du livre ? Je l'ai pas lu. Bon, d'accord. Alors, je commence. Steve, j'ai beaucoup aimé ce livre. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Je savais que les gens avaient des approches différentes pour diriger les autres, mais je ne m'étais jamais demandé ce qui les poussait à le faire. Custer, par exemple. C'était un homme courageux, apprécié de ses troupes, mais tous ses choix étaient influencés par son désir de gloire. Il a fini par livrer un combat perdu d'avance. Son arrogance lui a coûté la vie et a causé la mort de tous ses hommes. Il a préféré penser à la gloire plutôt qu'à la sécurité de ses troupes. Voilà son erreur. T'as raison. Tout ce qui importait, c'était la victoire, dont il s'attribuait tout le mérite. On est d'accord pour dire que Custer n'est pas un exemple. Mais la leçon à retenir, c'est qu'un ego démesuré est une arme à double tranchant. Et avoir un joli minois ne suffit pas pour avancer dans la vie. Je croyais que vous n'aviez pas lu le livre. Non, mais je devine en fonction du contexte. J'en ai plus appris sur George Washington dans ce livre que pendant toute ma scolarité. Oui, ça m'a surpris aussi. Avant cela, je l'associais à des statues, des peintures et les parties les plus poussiéreuses de l'histoire américaine. Mais ici, nous avons un chef militaire dont la seule ambition était de mener son armée vers la victoire. Il était clairvoyant et savait comment atteindre ses objectifs. Washington donnait les ordres. Il avait beau avoir plusieurs conseillers, une fois qu'il avait pris une décision, ses subalternes se devaient de lui obéir.
Un dirigeant moins compétent ne pourrait pas se permettre de gouverner ainsi. C'est vrai qu'il faut laisser à ces hommes une certaine marge de manœuvre. Ils ont besoin d'objectifs et de ressources. Washington croyait dur comme fer qu'un vrai dirigeant était lié à ses troupes par une sorte de contrat. Et c'est de là que vient le titre du livre ? Oui, le manteau de l'autorité. C'est quelque chose qui renforce. Ce qui nous amène à notre dernier profil. On n'a vraiment pas besoin de faire ça. Voilà, je suis tout oui. Steve, depuis combien de temps tu me tannes pour que je le lise ? Ça n'a rien à voir avec le chapitre sur moi. Comme vous le savez, le colonel Phillips m'a choisi pour participer au programme Super Soldat. J'étais sous ses ordres pendant un temps. C'est pour ça que mon nom apparaît dans le livre. Il disait que j'avais l'âme d'un leader. À l'époque, peut-être, mais les Avengers ne sont pas des soldats. Tony se moquerait de moi si je prenais les commandes. Pour avancer, il me faut le consensus du groupe. Les beaux discours sur le sens du sacrifice, ça ne sert à rien. Je dois montrer qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. C'est sûrement plus compliqué que ça. Oh, certainement. C'est un combat de chaque instant, et il y aura toujours des divergences d'opinion. Mais ça vaut la peine de se battre. L'autorité est innée, et pour ce qui est de la confiance, il faut la gagner. Mais ça me met mal à l'aise de parler de moi ainsi. Je préfère qu'on en reste là. Très bien, on va arrêter là. Le mois prochain, c'est à... Hunter, est-ce que tu as un livre à suggérer ? Aucun de ces derniers siècles. Alors Logan peut choisir le prochain. Ok. Les aventures de Crash Morgan, tome 5, la dernière reine de Deimos. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est l'histoire d'un explorateur de l'espace avec un pistolet laser, un jetpack et un casque d'astronaute. Il voyage dans l'espace avec un chien robot. Ils vivent de folles aventures. C'est un classique. Un de mes amis le lisait au camp d'entraînement. J'adore tout ce qui se passe dans l'espace. Pas moi, mais bon. Je vais lui donner une chance quand même. Je ne sais pas pourquoi Logan a rejoint le club de lecture. Il ne lit jamais rien. C'est pas une obligation. C'est quand même le principe. Je suis étonnée que Steve ait choisi ce livre. Pourquoi ? Steve apprécie les compliments, mais ce genre d'éloge le met plutôt mal à l'aise, surtout venant d'un homme qu'il respecte. Alors, ça vous a plu ? Oh, le punch était pas mauvais, mais ça manquait de bouffe. Je parlais du club de lecture. Bah, j'ai répondu. Le punch était bon, mais le buffet laissait à désirer. C'est qui le bon chien ? C'est ma Charlie à moi. Au moins, Logan a fait le déplacement. Tu croyais qu'il nous ferait faux bond ? Je le croyais pas mordu de lecture. Et je sais pas quoi attendre du livre qu'il a choisi. Le titre m'intrigue déjà. T'as peut-être raison. Je devrais apprendre à plonger dans l'inconnu. Tu as quand même laissé un chasseur de démons ressuscité entrer dans ta vie. Et aujourd'hui, on fait même partie d'un club de lecture. Tu n'as pas tort. Quand tu as rejoint le club de lecture, je t'ai demandé de faire preuve d'ouverture d'esprit et tu l'as fait. Je dois en faire autant avec Logan. Très bonne initiative. Tu nous quittes. Je dois y aller. Salut.
Je ne m'attendais pas à ce que nous devenions si proches amis, Hunter, mais votre présence est la bienvenue. J'ai commencé un nouveau programme d'entraînement. Plus je me dépense, plus j'ai le droit de manger. Hey, Hunter, salut! Je m'hydrate. Le sang est surtout composé d'eau. Lorsqu'on venge nos amis tombés au combat, on fait honneur à leur sacrifice. Hola! Thank you.